Ok, donc voici la S4 Black Edition, c'est V8 420 chevaux et en fait il y a quoi qui distingue entre une RS420 ce qui distingue d'une normale c'est la jante noire, calandre noire, pavillon noir, volant à Alcantara, les coques de siège qui sont noires brillants et les sorties d'échappement en noir et jantes noires. En fait tout est noir, c'est pour ça qu'ils appellent ça Black Edition. Baguette, oui. Même là les joints, joints noirs, baguette noire. Ah ouais d'accord, il y a combien qui étaient faits en tout? Ah je sais pas, en fait ils ont appelé ça Black Edition parce qu'après il y avait la White Edition également. Mais en fait c'est pas vraiment des séries limitées, mais comme ils en ont fait très peu, ils ont appelé ça, les gens ils disent que c'est des séries limitées, mais c'est juste qu'il y en a juste très peu. Mais ils ont pas fait de numéro. Mais ah ouais. Elle existe aussi en blanche, en White Edition. Ah ouais d'accord, non, en fait ça, comment dire, c'est limité mais pas vraiment quoi, c'est un peu... Voilà on va dire, c'est, ouais, okay. C'est les gens qui l'ont limité. Ah ouais. Après par contre aussi t'as la finition en carbone, ouais. Comme à l'intérieur on l'a vu ensemble. Ouais. Puis voilà. Moi juste rajouter c'est les clignotants noirs, parce que si c'était chrome ça faisait pas beau. C'est tout. Ouais bah oui, full mat noir ça fait gangster ça. Quoi, ça, ça fait bien gangster. Voilà c'est ça, avec un petit bruit sympa. Ouais un beau V8 quoi. Voilà. On dit quand... Ouais c'est bon. Ouais vas-y. C'est bon. Mais vas-y, c'est un truc de dinguerie ça! C'est un truc de dinguerie! Ça reste un break familial et... Mais ça pousse quand même. Ah ouais, ça pousse pas mal. Hein. Moi j'aime bien parce que c'est les seuls en boîte manu, après ils ont tous fait d'autres autos. C'est du même plaisir. Ouais. Et puis même elle est grosse, V7, elle est énervée. Quand on était jeune, on a tous rêvé d'avoir ce RS4 là.
un film GoFast. Ouais. Un film GoFast, c'était RS4 comme ça. Voiture d'une génération. À 50 hein. Ouais, faut pas dire 70. Par contre t'as vu ce qui est bien, c'est que t'as vu comment tu peux jouer avec le cul. Ouais. Dans chaque virage on est carrément en crabe, mais c'est tellement facile de la restabiliser. Toi c'est différent de la Clio RS. Là t'es vraiment dans une caisse un peu plus en bois. Mais c'est plus une caisse d'homme, toi, genre dans le sens pilotage. Clio RS, Mégane RS, arrive dans des cours, même un petit gamin de 19 ans qui vient d'avoir le permis. Toi il sait de prendre des cols à fond. Là RS4 c'est différent. C'est un peu plus joueur en fait. Putain.